Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le Wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rang Ranghui. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage de la première partie de l'enchaînement. Mais d'abord, révisons. Avancer et présenter la perle. Broder et piquer. La voie lactée retourne les vagues. Voilà pour les révisions. Nous allons commencer à apprendre les nouveaux mouvements. Regardez d'abord la démonstration. Aujourd'hui, nous verrons les mouvements et techniques suivants. Frapper vers le bas. Position du pas inséré. Position du cavalier. Position du pas accroupi. Le bateau suit le cours de l'eau. Nous partons du dernier mouvement, la voie lactée retourne les vagues. En position. Pivotez la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Tournez le buste vers la droite. Levez le pied droit pour faire un pas inséré vers l'arrière. Le bâton reste parallèle à l'axe du corps. Avancez la jambe gauche. Faites un pas inséré avec la jambe droite vers l'arrière. Piquez ensuite vers le bas avec la pointe du côté de la main gauche. Regardez maintenant attentivement les mouvements des bras. Regardez maintenant les déplacements. Ceci est le pas inséré. Une nouvelle fois avec moi. Le pic d'acier creuse la roche. On part du dernier mouvement, le bateau suit le cours de l'eau. En position. Pivotez le buste vers la droite. Les deux mains saisissent le bâton en position du cavalier. Faites ensuite un demi-pas vers la droite avec la jambe droite. Le talon gauche suit dans la même direction. L'extrémité du côté de la main droite frappe à l'horizontale.
Regardez attentivement les mouvements des bras. Regardez maintenant les déplacements. Position cavalier. Revoyons maintenant le mouvement ensemble. Le vieux buffle regarde la lune. On part du dernier mouvement, le pic d'acier creuse la roche. En position. Levez le pied gauche et faites un pas inséré vers l'arrière. Le bâton se déplace vers le haut et la main gauche passe sous l'aisselle du bras droit. On se retrouve en position du pas accroupi. Regardez une nouvelle fois le mouvement de face. Une nouvelle fois de l'autre côté. Frappez les trois passes. On part de la dernière position. Le vieux buffle regarde la lune. En position. Redressez-vous. Soulevez le pied droit et avancez. Le bâton décrit un cercle devant le buste. Allez-y. Soulevez le pied gauche et avancez. Allez-y. Le pied droit fait un pas inséré vers l'arrière. Le bâton décrit un arc de cercle devant le buste. Le buste pivote ensuite vers la droite et on frappe du bâton. Regardez maintenant attentivement les mouvements des bras. Regardez maintenant les déplacements. Avancez, avancez, pas inséré. Une nouvelle fois avec moi. Dans cette leçon, il y a certaines difficultés sur lesquelles je voudrais revenir. Suivez-moi attentivement. Stop ! Samo, il ne faut pas que la jambe de derrière reste fléchie. Elle doit rester tendue. Il faut descendre. Voilà.
une nouvelle fois. Revoyons maintenant les mouvements de cette leçon. Le bateau suit le cours de l'eau. Le pic d'acier creuse la roche. Le vieux buffle regarde la lune. Frappez les trois passes. Revoyons-les une nouvelle fois. Voyons maintenant l'enchaînement depuis le début. Chers amis téléspectateurs, nous avons terminé l'apprentissage de la première partie. Nous pratiquerons ensemble la prochaine fois. À la prochaine fois. Au revoir.